Bonjour à tous à la Loukim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais faire un round tour de ma mallette à make-up. Donc vous allez voir à quel point je me maquille. C'est pas super génial, mais c'est pas grave. Bon, on va commencer avec cette trousse de... c'est un jour que j'ai pas mis de... C'est ma trousse à tout ce qui dupe ma lèvre, du gloss, etc. En fait, tout ce que je mets sur mes lèvres. Donc, pourquoi il y a un pinceau là-bas? Donc, il y a ce gloss-là que j'aime trop. Après, moi, c'est pas vraiment des gloss qu'on voit, c'est vraiment des gloss transparents ou quand il y a de la couleur, ben, c'est une couleur pas très voyante. Par exemple, là, c'est un gloss de chez la pharmacie. C'est un gloss comme ça. Voilà. Ok, on va faire comme les tutos. Je sais pas si vous avez bien en fait. J'ai l'impression qu'on voit pas. Bref, c'est un gloss quoi. C'est un gloss avec des paillettes dedans. Et en fait, au début, c'était multicolore. Donc, il y avait du rose là, comme vous avez vu. Avec. Ici, je crois qu'il y avait du vert et c'était multicolore. Mais à force de faire ça, de prendre, de remettre, bah, les couleurs se sont mélangées un peu. Mais ça fait pas très moche parce que du coup, ça change pas vraiment les couleurs. Voilà. Oulala. Un peu, on a celui-là. Pas regarder l'état du gloss pour avoir de la poussière dessus, j'en sais rien. C'est une petite licorne, un porte-clés licorne, et c'est un peu comme un abello en fait. Ça se trouve là, et il y a du gloss dedans. Vous avez compris, on passe les doigts, et puis hop. Voilà. Après, ici, c'est un abello des barbes à papa. Et en fait, c'est un labello simple. Un petit labello à la vanille, je crois qu'on est sur le fond. Ah voilà. Parfum vanille. Voilà. Voilà. Après, on a un labello de Martinelia aux deux nœuds. Oulala, bah c'est vrai, c'est bien, c'est pas grave. Bref, on a un labello de Martinelia, Smart Martinelia, avec bah il y a des petits hamsters dessus, mais c'est juste pour donner le parfum, c'est deux nœuds. Ensuite, on a un autre petit labello Martinelia. Le parfum c'est cupcake et dedans je ne vous ai pas montré, c'est comme ça. C'est rose. Pour le rose du coup. Et je crois que pour celui-là c'est violet. Bon, le mien il a pris un aspect bleu, ne me demandez pas pourquoi. Là. Voilà. Ensuite, on a aussi un autre baume à lèvres. Plutôt Abello. Ouais, non, celui-là c'est plus dommage parce qu'Abello ça se met pas en forme. Bref, Martinelia. Forme de étoile et il y a une licorne. Bon, c'est la marque Martinelia. Quand on ouvre, il y a ce gloss. Il y a des paillettes qu'on ne voit pas. On ne voit pas les paillettes. Pourquoi ma caméra est ici? Mais c'est pas grave. Bref, dedans il y a des paillettes qu'on ne voit pas. C'est rose. Après, il y a ça. Mais ça, c'est pas un gloss à lèvres. Je ne sais pas ce que ça fait là. Ça ira dans la catégorie suivante. Ensuite, on a un labello. Bon, il n'y en a plus vraiment dedans. C'est juste que je passe deux coups comme ça. Après, c'est sec. Bizarre. Bref, c'était un labello que j'ai acheté de Cécile Laos. C'est de la marque Inel, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Inel. Il n'y a pas vraiment de parfum. C'est
blanc, je pense, mais de l'eau naturelle. Donc, si vous voulez, c'est la marque Inel. Voilà. On va passer à autre chose. Ça, c'est pour la catégorie suivante. On va ranger dedans. Les paillettes. J'ai des paillettes rouges, une petite boîte de paillettes rouges. Attention. Voilà. Paillettes rouges. Trop beau. Petite paillette rouge, mais moi en vrai les paillettes, j'ai pas vraiment sur les yeux parce que si je me frappe les yeux après, bah, c'est soit sur les joues, mais après j'en ai jamais mis des paillettes. J'ai vraiment pour les nouvelles ans, pour Noël, et encore j'ai jamais mis de paillettes pour Noël. Bref, j'aurais mis genre là, ou sinon ici à côté des yeux, enfin voilà. C'est pas vraiment un truc que je vais mettre. Après, on a deux paillettes comme ça. Ouais, bon, c'est mélangé, hein, mais normalement il y avait plusieurs paillettes dedans, mais comme ça se secoue un peu, bah, c'est des paillettes comme ça. Allez. Il y a des petites étoiles dedans, des petits cœurs, des petites étoiles, enfin, des... il y a des étoiles différentes, des cœurs, et c'est de toutes les couleurs. Mais celui-là, je ne sais pas si c'est une étoile. Après, il y a celle-là. Ouh là là, il y a un truc dedans, quoi. Bon. Ceux-là, c'est des petits cœurs bleus. Plein de petits cœurs bleus. On va dire qu'ils ne sont pas vraiment différents. Donc voilà, c'est vraiment des petits cœurs bleus normaux, basiques. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres paillettes. Oh mon dieu, les paillettes. Donc, on a des paillettes vertes. Ouh là là. Attends, il y a des diamants qui sont en train de tomber. Voilà. Ouh là, c'est ouvert. Mais je comprends plus rien. Voilà. C'est. Ouais, c'est ouvert. J'ai bien versé des paillettes partout, mais c'est vrai. Donc, voilà. Vous avez à peu près. Paillettes quoi. C'est des paillettes vertes. Verte un peu fluo. On va les ranger tout de suite parce que je suis en train d'en mettre partout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça, c'est des paillettes, mais ça se met pas sur le visage en fait. C'est des paillettes de baptême. Vous savez, les petits trucs là, les petits anges. Attendez, je vais vous en mettre un comme ça. Peut-être quand il y a des baptêmes, on met des espèces de petits anges, des trompettes, etc., des verres et des croix. Enfin, pour les catholiques, du coup. Enfin, je sais pas si ça se met. Alors là, ne me demandez pas. Il y en a plein, en fait. Et il y a même des mariés dessus, j'avais pas vu. En fait, il y a plein de petites paillettes différentes. On va dire que c'est des espèces de petites paillettes. Hein, en plus. Ça, par exemple, c'est les mariés. Ça se met pour les tables de mariage aussi. Hein. J'ai vu pour le baptême, mais il y a pour le mariage aussi. Là, par exemple. Après, il y a ça, les petits anges qu'on met pour les baptêmes. Ça peut se mettre pour le mariage aussi. Hein. Pas de question. Voilà, un petit ange avec. Je sais pas ce que c'est vraiment. Après, il y a ça. Quoi ouais. Pas grand chose, quoi. Et un verre en fait, c'est un verre. Ouh là là. J'aimerais un verre. Donc on a. Et j'en ai plein comme ça. Ne me demandez pas à quoi ça me sert, je les ai trouvés dans une trousse. Je les ai gardés. Je sais même pas d'où ça sort. Mais bon, okay. Ça peut me servir. Après, j'ai des petites. Enfin, ça, c'est pas de des sachets, donc je pourrais pas vous montrer, sauf si je prends la cam. Pardon. C'est des petites paillettes. Enfin, c'est pas des petites paillettes, c'est des diamants. Voilà. Des diamants. Attendez, je vais vous montrer. Je vais en prendre quelques-unes. Oh, il y a des paillettes sur mon bureau. Je peux pas tourner la caméra. Oh non. Bon, pas grave. Donc, j'ai ça. J'espère que vous allez voir. Vous voyez les espèces de petits trucs argentés là. Qu'est-ce que ça... Oh, je monte. Oh.
ces espèces de petits trucs argentés là en fait, c'est il y a des diamants. C'est des petits diamants. Je sais pas comment on fait pour coller sur le visage. Mais je veux pas savoir non plus. Je pense pas que je vais mettre des diamants sur mon visage à part si je veux piquer les gens avec mon visage, mais sans façon. Et après on a ces paillettes là, c'est des paillettes dorées. Des petites paillettes dorées. Celles-là on peut les mettre sur le visage, je suppose. Non, je suppose pas, on peut les mettre sur le visage. Enfin, donc, vous avez un peu le contour de mes paillettes. Ensuite, on a mes pinceaux. Ben, j'ai celui-là, du coup. Donc, beaucoup vont reconnaître que c'est un pinceau de peinture. Mais j'avais pas d'autre chose. Donc, c'est un pinceau. Et un pinceau, ça reste un pinceau. Après, j'essaye ça pour bien estomper, par exemple, le rouge de blush. Quand je mets du blush, j'étale avec ça. Parce que le pinceau, parce que moi, c'est du blush en plus. Après, il y a ça. Ça, c'est pour le fard à paupières. Et ça, que j'utilise pas vraiment. C'est une libellule. Qui m'a été offerte par une amie. Une amie qui m'a offert. C'est une libellule et c'est un petit pinceau. Mais c'est. Je sais pas comment l'utiliser en fait, si je l'utiliserais pourquoi en fait. D'après vous, je devrais l'utiliser pourquoi, quelle sorte de maquillage. Mais moi je ne mets pas trop pour vraiment du fond de teint, je mets du lanticerne, mais toujours en poudre. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai que ça. Donc voilà. Donc je vais continuer à ouvrir ma mallette. Vous avez vu mes blushs, mes paillettes et mes pinceaux. Maintenant vous allez voir mes fards à paupières. C'est ça que j'utilise, enfin je dis pas. Je dis que c'est du fond de teint, etc. Mais moi, je mets ça. C'est même pas du fond de teint, c'est du fard à paupières, mais ça sert en fait. Ça sert parce que ça cache certaines imperfections. Ça cache un peu de tout, sans rien. Après, ça me sert de blush. En général, j'utilise les roses, mais bon, voilà. Je peux utiliser le rouge aussi. Et comme cette teinte-là, elle me va pas, je rajoute ça avec. Et du coup, en fait, le mélange des deux, ça fait le fond. Du coup, en général, j'utilise ces quatre là et après le reste j'utilise comme fard à paupières normal quoi. Donc voilà, après vous avez remarqué que dessous la boîte il y a du vernis et les vernis je les ai tous mis dans une seule boîte pour pas faire d'embrouille parce qu'après il y en a trop. Donc on va juste ouvrir les boîtes comme ça. Donc voilà, après on a ça. Ah voilà. Alors ça, c'est des bêtises. Bref, ça, c'est, vous savez, c'était mon ancien truc là qu'on met comme ça. Ouh. Comme ça pour tenir les cheveux, pour pas mettre du maquillage dans les cheveux. Sauf que c'était moi qui l'avais fait parce que c'est un... En fait, voilà, je vais être franche avec vous. Ça. C'est un collant que j'ai découpé parce qu'il ne rentrait plus sur moi parce qu'il était trop à gogo. J'ai mis du fil dessus avec des trous. J'ai découpé et j'ai fait ça avec. Mais maintenant, c'est plus ça qui me sert, mais je vais poser ça en fait. Et je prends ça. Et c'est aussi moi qui l'ai fait. Oh mon dieu, je l'ai pas retrouvé. Je ne le retrouve pas. Je ne l'ai pas en fait. Mais... Les amis, je l'ai plus. Bon, je vous montrerai à la fin de la vidéo si j'ai retrouvé. Bref. C'est aussi bon que je l'ai fait. Je trouve pas et ça m'inquiète parce que sinon j'ai plus rien pour le faire. Bref, voilà. Ça, on va voir. Hop, voilà, c'est tout. Vous avez rien vu. Ça se range vite. Bref, voilà. Après, vous avez les... on va rentrer dans la catégorie ongles et manucure. Oui, j'ai le complet. Donc, j'ai. Alors,
Je fais une pause. Je vais chercher mes affaires. Et je reviens tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, je les ai trouvées. Donc, on va commencer par ce qui n'est pas compliqué. Des faux ongles. J'avais des faux ongles roses avec des cheveux, des étoiles, etc. Je n'ai jamais utilisé et je pense pas que je vais les utiliser tout de suite. Je pense que je vais les utiliser pour de larges occasions, quoi, pour mon anniversaire par exemple. Et j'ai aussi des autocollants pour les ongles. On va aussi faire ça devant parce que ça me gêne. Donc j'ai des autocollants pour les ongles et j'ai aussi ça, c'est des accessoires apparemment pour les ongles. Voilà, on va aller. Faut tourner la pièce. En fait, là par exemple, je peux rien couler. Je peux rien couler parce que du coup c'est fermé. Et au fur et à mesure que j'ai tourné le plastique transparent, il y aura les trucs et je pourrais me servir avec mon dos. Voilà. Je vais le retourner. L'histoire. Oui, il est collé, c'est pas grave. L'histoire de refermer tout. Voilà. Et après, j'ai des autocollants pour les ongles. Donc, j'ai ça. Bleu. Enfin, des fleurs bleues, je peux mettre sur mes ongles. Des licornes, de toutes les couleurs. Des petits chats trop mignons. C'est quoi ça? Ah oui, ça aussi, c'est des chats. Mais d'un autre. Là, c'est des chats réalistes. Ici, c'est des chats réalistes. Et là, en fait, c'est des petits chats comme un peu les dessins animés. Et tu fais un dessin, mais en un peu. Ensuite, ça, c'est des animaux. Il y a des lions, des hiboux. Il y a des fleurs aussi. Après, il y a. Bah, ça, c'est des chiens et des koalas. Toute cette lignée-là. Hop, c'est des koalas et tout le reste c'est des chiens. Et il y a des serpents, tout ce qui est jaune et vert là, ça là. Ça, ça, ça. Et ça, c'est des serpents. Et après, il y a des éléphants aussi, il y a des éléphants. Ça, ça, ça. Et ça, c'est des éléphants. Après, il y a des lapins. Seulement des lapins. De toutes formes avec. Des oreilles, enfin des grandes oreilles bleues alors que le lapin est marron, des lapins en dessin, des lapins des lunettes, donc voilà, des lapins fantastiques. Après on a des licornes encore, des pandas dans le même style que les autres chats qui sont dessinés en entrée, et des renards et des cerfs. Après là on a des animaux, des grenouilles, des lamas et des lapins. Après ici on a des demi-fleurs et ici on a des écureuils et des petites plantes. Très jolies. Donc voilà, on a un peu tout ce qui dit autocollant pour ongles. Après j'ai autre chose comme hop, attendez juste je range. Ensuite j'ai ça, c'est attendez, c'est ni ma ongle mais pas étape. Vous allez dire mais là il y a plusieurs ni ma ongle, c'est énorme. Et non, en fait c'est une grosse lime à ongles et dessus quand tu limes des ongles, ben, il y a les étapes. Par exemple là on a le step 1, donc le premier, la première étape, core, grip to shape nail. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais que je dois gratter là ici. Attendez, je vais voir la recherche et je vous dis ça tout de suite. Retour après Google Traduction, oui désolé de briser vos rêves mais je suis nulle en anglais. Enfin, non, pas nul, mais voilà. Je parle pas couramment anglais, donc je peux pas lire couramment anglais. Alors, j'ai appris que même sur les côtés, là, je croyais que c'était juste des avertissements, et en fait, non, c'est aussi des étapes. Donc, ça veut dire que tout là,
On fait la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. C'est 7 étapes sur une seule lime à ongles. J'étais choquée. Bref, l'étape 1 s'écrit Coarse Grit to Shape Nails. Ça veut dire grain grossier pour façonner l'ongle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, 2 Medium Grit to Raffin the Shape. Ça veut dire grain moyen pour raffiner la forme. D'accord ? 3, donc l'étape 3, Fine Grit to Smooth. Wow. Faites attention à l'accent. J'ai pas d'accent anglais, d'accord ? Fine Grit to Smooth Edge of Knives. Je pense pas que ça se dit totalement comme ça, mais c'est grave. C'est écrit grain fin pour lisser les bords des ongles. Ensuite, étape 4 qui est là, Condition Nail. Ça veut dire état des ongles. Oui, j'ai noté sur une feuille. Étape 5, Smooth Nail. Bref, voilà. Et étape 6, Nails Buffer. Ça veut dire tampon à ongles. Je ne savais pas que ça existait. Et polish and shine, ça veut dire polir et faire briller. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Pourquoi ? Je sais pas. Bref, voilà. Donc, vous avez un peu ma lime à ongles un peu bizarre. Parce qu'il y a 20 trucs dessus. Je regarderai la définition plus tard. Bref, vous allez être choqués. Parce que j'ai une masse de vernis à ongles pas possible. On commence. C'est, on va dire, un bleu mat. Un vernis bleu mat. C'est un vernis gris pailleté. Que j'aime beaucoup. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Et ici, c'est un vernis blanc pailleté. J'ai aussi, bah, du coup, mon vernis transparent à paillettes de la marque Mancinelia. Celui-là, c'est de la marque Glam Up Pro. Celui-là, c'est, on dit pas, c'est génial. Et celui-là, c'est NS, je suppose, la marque. Ou SM, je sais pas. NS. Bon, ben voilà, vous regardez le logo, vous me dites. Ensuite, j'ai un autre vernis. Laura Beauté, France. C'est écrit couleur romantique dessus. Du coup, bah, c'est du rose, quoi. C'est pas... Je vois pas ce qu'il y a de romantique dans du rose. Le rouge, peut-être, mais pas le rose. Ensuite, j'ai d'autres roses. Bah, c'est super. Alors. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est de la marque Martinelia et pas d'autres. Donc, il faudra pas chercher. Tous les autres vernis, là, que je vais vous montrer, c'est du Martinelia. Donc, voilà. Mais de forme différente. Donc, voilà. Du rose. Que du rose. Vous avez le vocal qui, dedans, est du rose, mais qui est mauve au bouchon. Vous avez trouvé ça bizarre. Vous dites, mais non, là. Et pas du tout. Après... J'ai des paillettes pour les ongles que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est des petits cartons collés sur les ongles. Du vert. J'ai du vert. Et j'ai pas à dire sur le vert, il y a que du vert. Du mauve. J'en ai deux, des mauves. Voilà. Donc, on a tout ça. Tout ce qui dit thème ongle et tout. C'est assez bien. Bref, voilà, vous avez un peu ma routine des ongles, ce que j'ai. Je rappelle que j'ai des choses. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on va passer du côté. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Ça, c'est du fard à paupières, du maquillage. Voilà.
pas compliqué. Fard à paupières et tout ce qui est les petits cœurs en haut là. 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4. C'est du gloss et tout le reste, fard à paupières. Ensuite, on va passer du côté parfum. Bah oui. Du maquillage, des beaux ongles, des beaux cheveux, des beaux vêtements, ça passe pas sans parfum. Voilà. Donc, j'ai un parfum, je pense que c'est un de mes préférés. Fleur de coton. De la marque Les Petits Plaisirs. Voilà. Les Petits Plaisirs, ils ont fait un parfum fleur de coton. Ça vient de France. J'aime juste trop. Bon, j'ai perdu le bouchon. Hein. Normalement, le bouchon, il est doré comme ça. Doré comme ça. Ensuite, Aqua Algoria Flora Salvaggia. Je pense pas que c'est français, ça. Je pense surtout que c'est italien ou un truc comme ça. Mexicain, enfin, je sais pas. C'est écrit Aqua Allegoria Flora Salvaggia Guerlain. Voilà, c'est qui ça? Voilà. Bah, je peux pas dire que je déteste. Je peux pas dire que je déteste. Mais on peut dire que je suis pas très fan du parfum parce que j'utilise pas. Et en général, regardez. Moi, j'aime beaucoup un parfum, je l'utilise à fond de la caisse. Ah, par exemple, j'ai pris la moitié. Celui-là, je l'ai pas vraiment utilisé, il est encore plein. Je l'ai utilisé une ou deux fois, pas plus. Parce que je suis pas très fan de l'odeur. Il y a une abeille dessus. Mais je suis pas très fan de l'odeur. Mais ça arrive que je pourrais en mettre. Parce que c'est pas désagréable. Après, on a le parfum Madame Géniale. Le parfum de Madame Géniale que j'ai eu à Adopt. C'est de la marque Adopt pour les enfants. Le petit parfum Madame Géniale, je peux vous le dire. Ensuite, on a. Je pense que c'est Martinelia. Oh My Unicorn. Je suppose que c'est Martinelia vu la tête du truc. Mais j'en suis pas sûre. Parce que celui-là, je sais même plus où on l'a acheté. D'ailleurs, je sais même pas si j'étais là. Donc ça ressemble à ça. Je pense que c'est Martinelia. Hein. Je suis pas sûre. En tout cas, vous voyez là un peu le flacon. Alors, celui-là, je l'ai bien utilisé. Mais vu que c'est un petit spray, je l'utilise pas souvent. Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. Donc j'utilise pas souvent. Les gars, ils sont très très bons. Ensuite, on a le parfum Bonsoir Paris. Je sais pas d'où ça vient, il n'y a pas la marque. Ah si. Parfum Corania, ça vient de France. Donc voilà. Et du coup, c'est écrit Bonsoir Paris. Vous avez la petite tour Eiffel. Sinon c'est tout. Au niveau parfum, j'ai pas une masse comme j'ai de vernis, de maquillage, de fard à paupières. Non, c'est vraiment ouais, après j'en ai beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 gros flacons de parfum. Je peux pas dire que j'en ai pas beaucoup du parfum, mais flacon j'en ai beaucoup. Ouais. Ça c'est un panier où je mets tous mes accessoires de cheveux. Donc comme vous avez compris, on va passer du côté cheveux. Donc là, on a un serre-tête avec une jolie petite plume dessus. Une plume dorée. J'aime beaucoup. Et c'est noir. Après, on a des élastiques à cheveux. J'en ai un là. Il est bleu. Ça vient de la même. Du même sachet. Voilà. Ben, ça vient du même sachet. Du coup. C'est. Alors. Ça vient accessories. Bon, bah génial. C'est écrit accessories sur le papier et je pense pas que c'est la marque, mais peut-être. Je sais pas. Après, c'est toute la main. Enfin, là, c'est toute la masse de fou. Tout le jeu, celui-là, il s'est cassé, mais il m'en est pas pourquoi. Donc, c'est un voilà. Rose. Bleu.
Toujours du rose. Ok. Ça c'était du rose mais c'est devenu blanc. Et un deuxième bleu. Un troisième. Non, un deuxième bleu vu que le troisième il est là. Voilà, après on a des pinces. Que des pinces. Ça c'est pour les chignons, tu mets autour de ton chignon. Mais moi mes cheveux ils sont trop épais mais je le garde quand même, ça peut servir. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec, mais je peux faire un truc. Après ça c'est des jolies petites pinces en forme de papillon. Attendez, là, je suis nulle. Voilà. Après il y a ça. C'est aussi une petite pince à cheveux. Une autre grosse pince à cheveux. Des fiches mèches, que des fiches mèches. Des fiches mèches en forme de rose. Après j'avais une pince en forme de papillon doré. Des jolies petites pinces. Des pinces. C'est des pinces en forme de nœud papillon, je pense. Donc voilà, vous avez un peu ce que j'ai. Après, c'est que des fiches mèches, mais classiques comme ça. Et des petites pinces en forme d'étoile, un peu comme ça, de toutes les couleurs. Attendez. Oh. Donc vous avez ma. Après, il y a cet élastique là que je n'ai jamais vraiment utilisé. Hein. J'ai passé l'âge pour avoir un élastique de Wings dans les cheveux. Voilà, donc vous avez un peu tout ce qui dit cheveux. Je vais juste chercher mes bijoux parce que c'est le dernier accessoire qu'on aura. Et je vous dis à tout de suite. C'est parti. J'ai rien à dire du tout. Ouah, quelle boîte. Non. Oh non. Je vous reprends tout de suite, je viens de casser quelque chose. En plus c'est en verre, oh mon dieu. Comme ça, je me glisse pas. Ça me choque. Oh, le plan sur ma tête que j'ai fait, je pense. Je fais ce morceau de verre. Mais vraiment, regardez, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, ils sont déprimés par terre. Regardez. Vraiment, il y a un morceau de verre par terre. Je rigole pas. Je fais comment avec ça, moi? Oh mon dieu. J'ai cassé quelque chose, là. Alors déjà, je vais ramasser mes boucles d'oreilles par terre pour éviter de les balayer tout à l'heure. Oh mon dieu. Bon, mes boucles d'oreilles ont rien. C'est le principal. On va avec la boîte. Heureusement que c'était pas un gros souvenir que je gardais. Là, je vais aller mettre ma serviette. Je vous reprends juste après. Bon, rassurez-vous, tout va bien. Je ne suis pas blessée, personne n'est blessé, tout va bien. Le verre, j'ai réussi à le ramasser. Donc, tout va bien. Bon, on va partir sur les bijoux, comme je le disais. Bon, je suis un peu déçue parce que je viens de casser ma boîte à coups d'oreille. Mais c'est pas grave. On garde la face et on y va. Bon. Oui, j'enlève beaucoup du nez. J'ai ce magnifique bracelet à perles. Et avec le son. C'est un peu comme un petit poids de bonheur. C'est très mignon. Et il y a une rose dessus. Je trouve ça très mignon. J'aime trop. Après, il y a ce petit bracelet multicolore que j'ai beaucoup porté et que j'aime beaucoup. En fait, il y a un petit cœur avec plein de motifs à l'intérieur. Et il y a cette petite plume. Et je trouve que ça va très bien avec le thème multicolore qu'il y a sur le bas. Ensuite, il y a un bracelet plutôt neutre, sans pendentif, ni truc
truc spécial, seulement qu'il est argenté et qu'il y a plein de perles dessus. Le fil, c'est pas un fil de super qualité, c'est du fil. Vous savez, quand ça se dérape, ça se coupe pour rien, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ce bracelet. Après, j'ai ce bracelet avec du fil en tissu un peu. Et des petits cœurs en fer que je trouve vraiment chouette. Ensuite, j'ai ce bracelet. Et c'est une amie qui m'a donné, attendez, hop, ce bracelet avec des perles blanches et des petites accroches dorées. Voilà. Je vais faire cette dédicace à mon amie Anna qui m'a offert ce magnifique bracelet que j'adore. Merci beaucoup Anna, si tu passes par cette vidéo, des gros bisous. Ensuite, oula. Il y a ce bracelet qui s'est un peu délâché, je suppose, je dirais, ouais. Avec une petite, un petit cheval dessus. Je pense que c'est une forme. Là, c'est une forme. Voilà. Et vous avez vu, c'est jaune, vert et un petit peu de toutes les couleurs. Ensuite, on a ce bracelet. Comment tu l'as fait? C'est une dédicace à mon ami. Comment je retire ça? C'est super simple. Bon, voilà. C'est un collier. Ça colle un peu au cou, attendez. Comme ça. Ça se... Attends. Ouais, ma tresse. Voilà. Ça se colle comme ça. Voilà. Et ça se met comme ça. Mais là, je vais pas l'accrocher parce qu'après, ça se casse. Il faut que j'apprenne à faire des modèles. Après, il y a ce bracelet tressé avec du fil blanc et des fils... Enfin, des espèces de petits... de perles grises. Regardez, je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça. Oh le nœud. Oh mon dieu. J'y arrive. Bref, sans collier, il faudra que je le démêle. Ah, j'ai réussi. Voilà, un petit collier best friends. Bon, là j'ai le friends avec moi, je sais pas où il est le best. Le best est de couleur turquoise et là il y a le friends. Je pense que le best il est donné à mon ami, je sais pas. Après il y a ben, ça qui était le petit bocal que j'ai cassé tout à l'heure. Mais c'est même pas un bijou en fait, c'est du tout de l'ennemi. Ne me demandez pas pourquoi c'est là. Et boucle d'oreille. Et après j'ai deux jolies bagues. J'ai une bague en forme de cœur et en argent. Et j'ai une bague en forme de coccinelle. Et ici, oulala, c'est en fait comme des fiches mèches à cheveux et qu'on met un peu, je pense, sur le front, hein. Je sais pas, je pense que ça se met sur le front ou comme ça. Ça se met soit comme ça, attendez, oulala, voilà, ça se met soit comme ça, soit ça se met comme ça, attendez, voilà, voilà, ça prend un petit peu les cheveux, ça se met comme ça, voilà, ça se met, je pense que ça se met comme ça, voilà. Vous avez un tous les bijoux. On a fait vraiment le room tour de mes affaires. Je n'ai toujours pas retrouvé mon élastique pour ramasser mes cheveux au niveau de mon cœur. Mais c'est pas grave. L'important c'est que j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un like. Évidemment. Un abonnement? Pourquoi vous vous abonnerez pas? Activez la cloche des notifications. Et vous savez ce que ça fait quand vous faites tout ça en même temps? Quand vous partagez, likez, abonnez et vous activez la cloche des notifications et que vous commentez, je fais partie de la team
Lamy, eh bien, vous faites partie de ma team, la Lamy Team. Merci aux 6 personnes qui sont abonnées et qui ont rejoint ma team. Franchement, merci. Donc, bye la Lamy Team, des gros bisous, c'est ciao.